Attention, cette session comporte beaucoup de blagues à l'encontre des Belges. Je tiens à préciser que, oui, ce sont des blagues de mauvais goût, oui, ce sont des blagues de très mauvais goût, mais que je n'ai rien contre eux, ils font de très bonnes frites. Merci! Ah ben. Ça, c'est cool. Lol, le charbon de bois a un skin particulier maintenant. Ouais. Ah oui, c'est... Oui. Oui, ils font aussi des textures de temps en temps. C'est rare, mais... Attends, déjà une fois, ils ont déjà changé la texture de la cobble, hein. Celle du gravier aussi, elle a changé. Ah oui, aussi. Incroyable! On dirait une parodie de téléachat, quoi. Eh oui, désormais, avec le nouveau Quick Bro, vous pouvez faire des frites. Incroyable. Fallait bien que ça fasse quelque chose, hein. J'étais en manque d'idées. Mais... Par contre, en train d'entendre un putain de gaz. Putain, le freeze. Oh putain, t'es blaze! Ah bah oui, un donjon. Oh merde, y a même un squelette du. Un squelette du Nether. Je me casse. Bonne chance. Et t'inquiète pas, hein, Jack. J'ai mis une barrière autour du portail pour pas que les. Même s'il y a des trucs qui sortent. Alors, non, mais je t'explique. Arna, tu es en train de voler? Non, c'est Dark qui est en train de voler là. Non, moi je suis en train de sortir du Nether. The bug! Comment? Arna, tu peux me mettre hop? T'es hop normalement, mais... Ouais, non, mais je peux pas, je veux dire, me mettre en game mode. Attends. J'aurais le suivre. De quoi? C'est quoi le délire, hein? Ah non, c'est bon, il a disparu. Oh putain, c'est... Et qu'est-ce que tu fais? Tu volais. Tu dévitais là-bas, dans le fond. Oh mon dieu, c'est... Ouais, je crois qu'il est... Non, j'étais sûr, non, je te jure, j'étais... Oh, regarde Jack, un ennemi pour toi. Conclusion, le Minecraft n'est pas encore du tout terminé. T'en doutais? Du coup, j'ai envie d'aller dans le portail pour voir si c'est juste Darko qui a bugué ou si c'est vraiment chaque fois qu'il y en a un qui va dans le Nether. Dark est en train de fouiller mes coffres, il en a rien à foutre. Ah bah, regardez juste ce que tu y avais dedans, quoi, et ce que tu faisais cuire. En plus, c'est bien, il y a une belle plateforme pour où on arrive, quoi, c'est pas juste au bord de la lave ou un truc du genre, quoi. Ah mais... Hey, je te rappelle qu'à la base c'est mon arbre. Ah d'accord. C'est ma pousse qui a fait pousser cet arbre, donc techniquement c'est le mien. Il me faut de la redstone. Dark est un drogué. Il consomme beaucoup trop de redstone, ses parents sont inquiets. Témoignage. Témoignage de toi, je crois pas qu'il soit très 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 crédible. Oh putain. Oh non, mais c'est vrai, depuis quelques temps, on ne reconnaît plus. Il parle tout le temps de cette substance rouge pierre, je crois. Un redstone comme des agents. Putain, je pars trop loin. Ah, mais il est en train de partir en free. Oh putain. Mais ça fait quand même toujours marrer les voix des mecs dans les reportages où ils ont toujours des voix de. Le mec il pourrait être en train de te raconter un film d'horreur, ça serait pareil quoi. Tu sais, genre les contes de la crypte.
Enfin, non, remarque, non, dans les contes de la crypte, le mec est un peu plus joyeux. Non, je sais. Tu sais, les trucs sur les fantômes, là, genre... Genre, tape ses compagnies, tu sais, les Wehouse. Ah, un truc du genre. Pourront-ils découvrir qui se cache derrière ces mystérieux événements? Truc du style. Qui se cache derrière le mystérieux masque du fantôme de la nuit? Par contre, je sais plus comment on fait un repeater. Il faut deux torches de redstone, en bas il te faut de la pierre lisse, si je dis pas de bêtises, et un truc de redstone entre les torches. Ok. Donc j'ai la torche, les redstone, les torches, de la pierre lisse. Il est où ton portail du Nether, juste pour information? Après mon île et le pont qui est moche d'après Jack. Ah bah ça pour être moche, il est moche quoi. Mais c'est pas un pont, c'est juste un truc pour y aller, quoi. J'ai jamais dit que c'était un pont. Ah oui, j'avoue. Ah! C'est moche. Bon. Ouais, c'est ça, en fait. Et c'est en terre, en plus. Bah, j'ai pris ce qui traînait. Hein. Donc, c'est moche. Mais tu sais pas faire un pont, quoi. Mais allô, quoi. Tu joues à Minecraft, tu sais pas faire un pont. Non, je devrais éviter ce genre de référence. Ça s'est enfin calmé, cette merde, hein. C'est clair. Je devrais éviter d'encourager les gens à continuer. C'est comme le Harlem Shake, on a enfin arrêté d'en parler. Ouais, ça a duré quoi, 2 semaines, le truc. Ok, il y a un mouvement qui reste toujours un peu loin, depuis le début. Mais qui est quand même assez marrant, c'est les photos où tu fais genre, tu utilises la force. Ah ouais. Là encore, en plus c'est marrant. Mais bon, t'as quand même bien pas mal. Quoi. Mais enfin, ça évite que des youtubeurs soi-disant marrants essayent de faire des ramener chèques, quoi. Là, ça va, là, ils évitent, étant que c'est juste des photos, ils peuvent pas faire de vidéo dessus. Ça c'est marrant quand même, dès que t'as un phénomène de mode à la con, tu vois tout le monde qui se jette dessus quoi, comme la misère sur le monde, c'est dégueulasse. Ouais, c'est clair. Oh oh. Et le pire en fait, c'est que des fois ça marche. Oh, Arnaï copie sur moi au niveau du style de sa maison. Bah non. Ben non, pas du tout. Absolument pas. Ça. Ouais. Putain, merde, il y a un ghast qui m'a repéré, mais je peux pas repasser dans le portail parce que sinon je risque de l'éteindre. Bon, on peut le rallumer. Oui, ouais. Nous on est toujours de ce côté-là, donc ça ne tue pas rien, quoi. Parce que j'ai bien quoi faire un bric. Non, mais au pire, si c'est temps, on peut le rallumer. Genre, on va le rallumer. Démerde-toi. Merci de votre bienveillante coopération. De rien. Oh la vache. J'adorerais quoi, le mec il est coincé de l'autre côté et puis t'as les connards, ils sont derrière avec leur briquet en train d'être mort de rire, tu sais. Ah, il est coincé, le feu ça brûle. Bon. Ah mais attends, j'y pense. Ils détruisent pas le terrain, donc normalement, ils pourraient pas éteindre le portail. Donc normalement... Si, c'est l'explosion qui l'a détruit. Indépendamment du fait que ça fasse des trous. Ouais, parce que bon, le feu, ça, ils le font. Enfin, il y a du feu quand même, quoi, mais sinon... Bon. J'ai à peu près 32,33% de chances de réussir. C'est très précis comme information. Peut-être même un peu trop en fait.
Aïe 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 aïe, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Bon, Leroy. Leroy Jenkins, incroyable. C'est bon. En fait, ça vient d'où d'ailleurs ce délire C'est un vieux délire. Apparemment, c'était un gars qui était sur World of Warcraft hein, pour un raid, je sais plus trop lequel. Et en fait, ils avaient toute une stratégie. T'avais le gars qui parlait pendant 2 bonnes minutes. Et puis t'avais un gars qui était en train de faire cuire son poulet. Il a rien saisi de la stratégie. Il a dit ok les gars, on y va. Et puis il a gueulé son fameux cri. Et voilà. Et cette vidéo a fait des billions de vues, je pense. Peut-être pas des billions, mais au moins. Pas loin. Ouais. Parce que moi, j'ai jamais vu en fait, du coup. J'ai déjà vu l'autre qui envoie des pizzas en trax et tout, mais ça je connais pas. Ça manque de torches d'ailleurs en ce coin. Je commence à avoir des carottes. Incroyable. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra faire un élevage de cochons dans ce cas. Ouais. Ça d'ailleurs aussi. Je crois qu'il était même pas tout seul, je crois qu'il y a eu 2 fois que j'ai vu ça. Où il y a un mec qui nous a dit mais pourquoi vous tuez pas les cochons, ça vous fera des steaks et tout. Parce que ah oui, on est sur tous des putains d'îles. Comment on fait pour retrouver des cochons après? Alors qu'on peut faire cuire du pain. Pas enfin, faire cuire du pain, non. On peut avoir du pas pain. Besoin de, pas besoin de le cuire. Nous c'est hardcore, on mange cru. Yeah, on mange directement la pâte. Crom, crom, crom. Non, ça serait dégueulasse quand même. Qu'est-ce que je cherchais? Ah bah oui, du coup, moi je peux faire des. Non. Tu peux continuer un peu mon toit. Tic tic tic. Mon toit, toi, mon toit. Mon toit, mon tout, mon toit. Ta, 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 ta. Quelle musique de merde. Papillon en l'air. Et puis je sais plus. Je sais bien que c'est par terre, mais je sais plus. En catégorie des musiques les plus connes du monde. C'est la number one. Et aussi, je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets les deux petits doigts dedans. Ça, c'est ridicule quand même ce qu'on passe parfois. Ouais. Que les gens crèvent. Non, ce qui m'impressionne le plus, c'est que moi je pensais que ces genres de musique, c'est bon, on les a eu à un moment parce que voilà, c'était marrant, en plus c'était le début genre des top 50, tout ça, il y a eu la marche, la danse des canards qui avait bien marché, donc bon, il y a tout le monde qui s'est lancé un peu dans des trucs débiles. Mais le pire, c'est que ça continue, hein, parce que Francky Vincent, je sais pas quoi, avec Tu veux mon zizi, je me demande comment c'est passé ça. Comment tu fais quoi? Bon, autant le quand il pète trop son slip, voilà quoi, on va dire, c'est mignon, c'est du rire. Alors, de gamin, c'est du lol de gamin, tout ça. Mais Francky Vincent, tu veux mon zizi quoi? Non, tu vois encore le truc de Francky Vincent, tu vois, c'est un truc de vieux tout, mais autant machin là de machin, je sais pas comment il s'appelle, le mec, autant ça, le mec, je le vois dans la rue, mais je lui mets direct un putain de pain dans sa gueule. Qui ça? Direct. Le mec là qui chante, il pète son slip, je sais pas quoi là. Le mec, je le croise dans la rue. Mais le mec, juste, il me dit, juste, même pas il me dit bonjour, je le vois, je lui mets un pain direct. Quelle violence. Je sais pas pourquoi, c'est sa gueule, je l'aime pas, point. Je vois sa gueule, le mec, j'ai envie de le taper. C'est comme ça, ça s'explique pas. Non, mais t'en fais pas, j'ai la même réaction avec toi. Puis ça s'est calmé un petit peu, parce que bon... À partir du moment où tu t'es venu sur Amatès, ben on s'est dit, bon, va falloir le calmer. Non, puis en plus, c'est mon frère, alors je peux pas, quoi. En plus, oh putain, le creeper dans la maison, le coup de... Tiens, j'ai plus de pioche, intéressant. Et il me regarde derrière la porte, c'est mignon. T'aimerais bien rentrer, hein. T'aimerais bien rentrer, il fait froid dehors. Ah, il y en a deux. Oh putain, il y en avait un deuxième. Putain, mais c'est quoi ça? Ça vous apprendra à éclairer vos baraques. De quoi?
Bon. Tu vois, je dis que ça vous apprendra à éclairer vos futures baraques. Hop. Parce que chez moi, il y a quasiment jamais une bestiole qui vient. Par contre, chez vous, c'est envahi, quoi. Ah non, merde, mais moi, c'est dans la maison. Bon, bah, tant pis, j'en ai deux. Bon. Écoute, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, hop. Voilà, ça popera plus, non mais. Mec, il a mis des néons partout, tu sais. Il a mis des lampes à UV carrément, ils sont fous, c'est un taré. C'est pour les moustiques. Pour les moustiques. Oui, bon, c'est bien tout ça, mais maintenant je fais quoi? Je vais manger du pain. Bonne idée. C'est bon le pain. Bon, là, je suis retourné dans le Nether. Oh putain. Attends, ah ouais, je te guette dans le. Ouais, ouais, c'est pour ça, mais putain. Oh putain, le gaz. Non, je te vois plus, c'est con. Ah, le gaz, de quoi? Putain, comment il t'a. Il est où? Ah ouais, il fait chier celui-là, hein. Y a aucun chemin pour aller au putain de donjon là. N'empêche, la bonne nouvelle, c'est commun, on n'est pas sur un océan. On peut faire pousser des plantes avec l'eau. Ouais, c'est pas faux ça. C'est que ça va, c'est bon. C'est un énorme lac en fait. C'est un putain de lac. Hein. Il est là. Là, c'est le lac. Hein. Lac. Quand même, un lac aussi grand qui peut contenir un archipel comme ça en plein milieu et un autre continent, c'est... Ça, c'est du lac de compétition, celui-là. Hein. Oh, tu t'approches pas de moi, forêt de guest à la con. Qu'est-ce que je cherche, en fait? Ça fait 5 minutes que je suis devant mon coffre, mais je sais pas du tout ce que je... Ah oui, ça m'a... Je viens de me souvenir. Ça va aller. Faut pas y en vouloir. Ouais, je suis moi. Je fais quoi ici? Je m'appelle comment? Où suis-je? Dans quel étage? Mais que faites-vous sur ma partie solo? Dégagez! Non. Mec, il est complètement paumé quoi. Il fait complètement stone. Plum 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 plum. Ouf. Freeze. Ça me rappelle vachement Metal Gear quand même. Bah, c'est la vie, ça vient d'où? Oui, mais merde. C'est Good qui l'a remis au bout du jour. Je suis en train de me dire, en fait, il y a pas mal de délire à la con qui viennent de chez Goody. Hein. Ce mec là, c'est un truc ambulant quoi. C'est un troll center. Voilà, c'est ça quoi. Le mec, c'est lui qui lit les trolls sur Facebook, tout ça. C'est lui en fait qui les crée. En fait, ce que je vais faire, c'est mon charpot du tout. Mon boxy. La 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 la. Bon, je crois que je vais pouvoir rentrer en sécurité dans le donjon. Bon. Moi, je pense qu'il est temps d'éliminer un peu. Parce que j'ai plus de charbon, j'ai plus de métal quasiment. Bah, ça se trouve, je l'ai pas dans mon coffre, mais j'ai oublié. Ah! Je descends, je tombe directement sur un creeper, quoi! Oh, le pas de bol, quoi!